Et salut à tous, c'est Cube Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minikube. Et oui, enfin nous trouver pour ce serveur. Et donc oui, ça sera Minikube. Alors, depuis le dernier épisode, il s'est passé quand même pas mal de choses. Du coup, dans le dernier épisode, on avait combattu l'Under Dragon. Et oui, c'était pas tâche facile. Franchement, c'était plutôt intéressant. J'ai fait d'exploration, mais j'ai oublié Drake. Du coup, bah, on n'a pas tous ces bateaux, tous ces magnifiques bateaux que j'ai pu récupérer. Mais c'est pas grave, on sera un épisode exploration dans l'End. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites bricoles à récupérer, toujours plus de shurkles, et peut-être même des bannières, ça peut être sympa. Bref, depuis le dernier épisode, du coup, j'ai fait quelques changements. Déjà, j'ai un peu raser quelques maisons pour pouvoir libérer le passage pour les futures nouvelles maisons. Cette montagne, au final, j'ai décidé que nous allons sûrement la raser. Alors, peut-être pas toute la montagne, mais une très grosse partie. Parce que là, vous voyez derrière moi, c'est pas très joli, joli. Mais on va faire en sorte peut-être de la couper en deux parties. Genre, tout le milieu, on va la couper et on va la rendre un peu arrondie. On va garder du coup la petite montagne derrière moi où il y a la maison de. Deuxième maison de Bobby. Et on va peut-être garder la montagne où il y a le spawner justement. Mais on va peut-être raser du coup celle qui est à peu près dans la savane. Parce que ce sera sûrement dans mon village. Et du coup, bref, on fera un peu de nettoyage. Donc ça, on verra ça dans le futur. Voilà. Alors du coup, oui, j'avais rasé tout ça. J'ai rasé quelques maisons. J'ai rebouché aussi l'énorme trou qu'il y avait juste ici, qui n'était pas vraiment très joli, mais regardez-moi ça. Voilà. Donc bon, j'ai pas tout rebouché avec de la terre. J'allais pas m'amuser à faire ça, mais quand même, j'ai quand même passé pas mal de temps à nettoyer cet endroit. Du coup, j'ai rasé notre ancienne maison. Qui libère du coup le passage pour le portail. Donc au final, ça rend pas si mal que ça, mais pas aussi bien non plus. Ça rend pas mal quand même. J'ai aussi à faire un terraforming plutôt propre, mais le problème c'est que c'est très raide. Du coup, ça n'est pas montagne, ça fait juste un truc qui a explosé ou je ne sais quoi. C'est pas très joli. Je me suis occupé au final du pont. Car bah fallait que j'ai un pont un peu plus sécurisé et un peu plus. Magnifique, franchement je l'aime plutôt bien. J'ai fait un magnifique pont. Il est très joli, j'aime beaucoup trop. Avec les lanternes et tout, les petits murets en deep slate, en pierre des abîmes pour ceux qui connaissent pas. Sur le côté, j'ai fait un peu modeste. Je voulais pas non plus faire un pont très gros. Je trouve qu'il est quand même plutôt bien fourni en termes de déco, je trouve, quand même. Je me suis occupé aussi un peu de la maison. J'ai mis des lanternes pour pouvoir. Voilà. J'ai planté du cacao parce que vous allez voir, mais j'ai farmé du bois. Ah, par contre, ça, c'est pas cool, ça, Lumix. Lumix qui m'a volé du sable des âmes. Ça, c'est pas cool. J'ai créé du coup un règlement. Je vous laisse mettre sur pause. Voilà. Donc, j'avais créé un règlement pour l'enceinte du village. Et j'ai trouvé du coup un nom pour ce village, je vais l'appeler Mine City. Car c'est en référence à Minecraft et Minecraft, ville, Mine City. Bref, donc voilà, j'ai pensé à ça. Je voulais commencer un début de carte, ça serait cette zone pour moi. J'aimerais bien faire cette zone, ça pourrait être sympathique. On pourrait voir la future muraille que je construirai. Je me suis occupé un peu des ressources pour pouvoir du coup justement fournir pas mal de matériaux en cas de construction de la muraille. Donc j'ai pensé à une muraille en peut-être soit en bois plus pierre. Donc j'ai créé quelques charcoals. Vous allez voir, hein, vraiment j'ai farmé comme un malade. Donc j'ai farmé tout ça en termes de charcoals. Bon, vous imaginez pas le nombre de haches. Vous voyez, il m'en reste encore deux. J'en ai crafté quand même beaucoup. Il faudra que je commence à me faire une hache en netherite et que je le mette efficacité, solidité et puis raccommodage. Donc il y a tout ça en termes de bois et en termes de charcoal. Du coup, vous n'avez pas pu voir, mais il y a tout ça en termes de charcoal. Donc c'est plutôt très intéressant.
Là, moi aussi, du coup, j'ai 3 élytras, 3 paires d'élytras plus la mienne. Donc, moi, j'en ai une avec solidité 3 et raccommodage qu'on a vu dans le dernier épisode. Un œuf du dragon, 5 têtes du dragon, et du coup, une charcole de feu d'artifice. Ça, c'est en cas où, si vraiment je pars en exploration, j'ai un Ender Chest toujours sur moi. Donc, en cas où, si j'ai un petit pépin ou que j'ai le stuff trop plein, et bah je prends l'Ender Chest, je pose une charcoal, je remplis la charcoal. Une personne du serveur a acheté du coup un spawner à Wither Squelette, du coup j'en ai profité. Oh. Je sais pas. Ah, il m'a. D'accord, il m'a acheté. Il m'a acheté. Il m'a acheté deux têtes. Deux têtes. Ok, donc du coup j'ai farmé un peu de tête de Wither Squelette. Donc on pourrait s'en faire un, je sais pas combien de temps, ça fait déjà 5 minutes. Je vais peut-être. On va peut-être aller combattre le Wither Squelette. Mince. Je vais voir si j'ai encore sable des âmes, il me semble que oui, je vais voir ça tout de suite. Donc c'est bon, au final en fait j'en avais. J'avais pas vu, mais en fait je les avais pas mis dans le coffre à sable des âmes. Du coup, c'est peut-être pour ça que Lumix les avait cherchés, mais il les avait pas trouvés. Mince, mauvais coffre. Je les avais pas mis dans le sable des âmes. Du coup, c'est peut-être pour ça qu'il a pas trouvé. Mais au final, moi j'en ai. Donc il en faut 4, je crois. Oui, c'est 4. Tac, tac. Du coup, cette fois-ci, je le mets dans le sable des âmes. Comme ça, voilà. Ça sera réglé. On va prendre 3 têtes. 1, 2, 3. 3 têtes. Fleurs. Je vais poser les tournesols. Ok. Je reviens. Hop là. Du coup, il y a Bobby en cours de temps qui nous a rejoint. Tac. Du coup, je vais prendre mes étras. Je vais prendre mes étras et je vais aller un petit peu plus loin. Au final, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire le voyage ensemble. Mince, j'ai raté. Tac. Je sais pas du tout où aller. Ah mince. Ah si, c'est bon. On va quand même un petit peu loin parce que. C'est quand même un Wither Squelette. Un Wither Boss. Je pense qu'on va aller au sous-sol. Qu'ils voient pas des mobs ou quoi que ce soit. Voilà, je suis désolé, du coup, ça va être affreux au niveau de. Au niveau du visuel. Je vais essayer de voir si je peux pas faire quelques deux, trois petits trucs. Voilà. Par exemple, ça. Là. Et là on va faire la salle. On va creuser encore un peu. Et là on va faire une salle. Parce que là je suis en train de me blinder de trucs. Ce que je vais faire c'est que avant que je fasse spawner, je vais tout jeter. Ça, je serai pas blindé quand je vais vouloir récupérer la Nether Star. J'ai tout, donc là, je vais tout récupérer. Je vais faire un petit trou vite fait. En jetant ça. Ça, ça. Donc là, on va faire ça, ça, ça et ça. On va déjà mettre deux têtes. Hop là. Et moi, je vais faire un truc en cas où si ça se passe vraiment mal. Je vais, hop, créer un petit chemin de. D'alerte.
Ok. Et je vais me préparer les pommes. Tac. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis paré. C'est parti. Hop. Faut s'écarter là. C'est vrai que faut pas que je désigne à utiliser le bouclier. Il est où? Ah non, je suis pas dans le truc. Il est où? Reviens là. Vous voyez sa barre de vie en haut. Oula, il est où? Il est là. Va pas que je laisse en liberté ce petit. Comment je peux faire? Ah, je m'en fais en plus, je me fais attaquer par tout et n'importe quoi moi. You. Mais il est là. J'aurais dû faire un arc, ça aurait été plus simple. Sérieux? T'es où? Il est où? Oh, sérieux? C'est vrai que j'arrive à le... pour moi le faire descendre. Ah. J'essaie de le faire descendre. Hop là, c'est bon. J'ai réussi à le faire descendre. Il est où? Ah, il est là. Oh, il y a une boule. Oh, il m'a foncé dessus. Ah, c'est bon. Ah, faut qu'on s'écarte. Pas grave, vous allez tous mourir. Ils ont fait avoir par l'explosion. Hop là, parfait, une rose. Je pense que j'en ai pas d'autres. Parce que j'ai vu qu'il en avait droppé une ou deux. Faudrait aussi que je récupère plutôt. Ah, pièce. Planeteur Star. Pardon. Je suis un peu malade. Perfect. Donc c'est bon. On a une Wither Rose aussi, c'est parfait. Ah, il y en a même deux. Ok. Là, c'est plutôt cool. Là, j'ai tenté de les one-shot, mais j'ai pas réussi. Ok. Du coup, je vais préparer des ressources pour pouvoir faire un beacon. Il n'y a pas d'autres fleurs. C'est dommage. Ça peut être sympa. Et voilà. Du coup, mince, je sais pas ce que je vais faire. Du coup, dans ce chaos total. Aïe. Dans ce chaos total. J'espère que l'épisode vous aura plu. Petit épisode, combat de Wither. C'est plutôt cool. On se fera le beacon dans le prochain épisode. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Petit combat rapide, mais sympathique. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao.